Bonsoir, bienvenue pour suivre nous bulletin pour ce samedi le 27 octobre. Dans bulletin tantôt, président Fort in annoncé qui c'est la force défense brigadier Léopold Payette puis elle prend son retraite commencement 2019. Responsable communication parti des PEP dit qui sa parti peut travailler sur une nouvelle constitution. 6 nouveaux bis y gagne ajouté dans service bis public le pralin et donation gouvernement len activité de cadre festival créole in cotillon aujourd'hui avec la sérénade en ville à l'étranger. Ministre affaires étrangères l'Arabie Saoudite il dit qui suspect de la mort Khashoggi sa journaliste saoudien pour gagne l'Arabie Saoudite et un homme y gagne arrêté la Floride en connexion avec Saban Passé, l'explosive qui t'y peut gagner envoyé contre bonne critique président Donald Trump. Bon détail, sa bulletin à présent. C'est la force défense, brigadier Léopold Payette, puis elle prend son retraite à partir l'année prochaine après 41 ans dans le service militaire. C'était président Danny Ford qui t'y fait ça l'annonce bon matin contre base garde la côte île du port. Brigadier Léopold Félix Antoine Payette et Gandhi Belazar. Il a joué un SPDF en 1977 comme un officier, complété une progression dans le militaire pour venir chef d'état-major en 1992. Et en 2007, il a été appointé comme chef de la force de défense. L'aide adresse par nos officiers SPDF de sa capacité comme commandant chef de la force de défense. Président Danny Ford dit que c'était 10 après qu'il devint président de la République en octobre 2016, qui pendant une rencontre, qui brigadier Payette exprime avec lui son désir pour prendre son retraite à un moment approprié. Mon appel, mon Tidili, brigadier, continuez, donne-moi un coup de main pour encore 10 ans. Et pareil, je te connais. 2 ans fait que fini passer. Semaine passée, brigadier il présente moi avec son lit pour prendre son retraite. Mon accepté et brigadier pour prendre son retraite à partir le 1er janvier 2019. Président Foy dit que brigadier Payette est un bon dimanche qui connaît l'histoire SPDF depuis son commencement et m'a bien évolué pour arriver à côté comme il a. Brigadier Léopold Payette développe SPDF pour venir la force défense professionnelle. Pendant sa dernière 26 ans, en bas son direction, SPDF une gagne restructurée. Il a adopté un nouveau méthode de travail et il a modernisé. Sa bande de changement, il fait sa organisation plus réactif et effectif. Président Fort aussi remercie brigadier Payette pour son 41 ans de service envers SPDF, PI et les PEP Cécilois. Je crois qu'il est vraiment un grand honneur pendant un enfant Cécile. Qui donne 41 ans de service envers son organisation et service envers son pays. Nous besoin toujours réaliser qu'avant nous, il y a un bande de monde qui travaille dur pour tout ce qui nous en a aujourd'hui et tout ce qui nous était aujourd'hui. Nous devons autre respect. Nous pas capables oublie ce qu'ils ont fait pour nous. Ben vrai serviteur qui met l'uniforme SPDF avec la fierté. Bien bonne quelque chose qui m'a content nous toujours garder dans SPDF, c'est son sens discipline, son dévouement et service envers Cécile. Et le sont pas, même si parti cause avec la presse après sa l'annonce, brigadier Payette, tu remercie tout le monde qui travaille avec lui. Et tu demandes aux autres pourquoi tu donnes si pour la force de défense pour faire lui progresser. Au nom de tous les officiers présents, moi je te aussi merci pour tout le travail que tu fais pendant les temps de service. Je bien apprécié avec tout le commandant officier. Premièrement, je suis content de remercier le député CDF, Mme Roselyne, chief of staff. Tout bon CEO qui tient ça tout unit
pour la bonne coopération que tu nous demandes. Et aussi, je remercie sa deux anciens présidents qui m'ont travaillé avec pendant notre mandat de Tila, le président René avec le président Michel. Et aussi, sa deux ans qui m'ont travaillé avec le président Fort, je bien apprécié courage, conseil qui nous demande, qui m'ont gardé sa responsabilité d'après la procédure militaire. Et aussi, je remercie tous les civiliens qui travaillent avec SPDF, je dis aussi un grand merci. Aussi, je remercie tout le ministère qui travaille pour nous avec nous, toute l'organisation civile qui travaille pour nous avec la défense, je dis aussi un grand merci. Président Foyne aussi annoncé que c'est en décembre qu'il prononce un nouveau chef de la force défense pour en place brigadier Léopold Payette. Parti Le Peuple a annoncé qu'il peut travailler une nouvelle constitution pour parti. Il peut faire une série de rencontres consultatives avec son représentant dans tout district. Ça y suit une décision qui ben même t'y prendre dernier congrès sa parti en zin pour sans constitution. Monsieur Pilet, à cause de une voie nécessaire là à ce moment pour une nouvelle constitution. Moi quoi dans si un parti politique ou pas évolué ou pas amène nouveau élément au pouvoir ou rien qui derrière par climat politique au pouvoir rien qui derrière par ça qui peut passer autour. So nous voir ali ça y a un bon moment les autres capables dire ça pas un bon moment mais nous voir qui y est important pour continuer évoluer et nous n'est pas parti qui en existence pour un bon pays de temps et y est important que ça évolution et évolution continue. Nous un nouveau cadre qui peut être dans parti nouvelle génération qui peut être dans parti et ça exige qui nous représente sa nouvelle aspiration qui sa nouvelle génération aussi en a. Et c'est pour ça raison qu'il a nous peut travailler sur cette réforme. Est-ce que sa décision pour une nouvelle constitution, il vient après que le président Faure il dit qu'il peut divorcer avec parti? Ça est une décision que nous parti nous prend pour nous driven par nos bases, par ban membres ordinaires, pour qu'il nous en a sa nouveau l'approche dans la façon que nous faisons quelque chose. Alors ce n'est pas rien pour faire avec sa divorce, c'est plutôt pour faire avec travail qui nous comme parti politique nous besoin continuer à faire. C'est quelque chose que nous besoin imaginer bien. Si comme un parti ou pas capable de débouter, faut ban les choses contre le gouvernement. Ça qui est important comme un parti politique. Et président Faure donne nous ça l'espace comme un parti politique justement pour nous capable faire ça. Si demain ou dans situation que même président qui dans la présidence soit de même parti ou voir ou on un système que est difficile pour qui any challenge l'autre. Vous comprenez? Et moi quoi aujourd'hui c'est nous on a sa possibilité mais notre travail que nous peut faire c'est focaliser aux bonnes réformes qui nous besoin faire pour mettre justement par monde dit l'aspiration que nous bande membre il y en a l'autre. Et est-ce qu'il y en a aucun changement majeur qui soit peut imaginer faire? Sous regard ban changement que nous fait le niveau ban changement qui peut proposer par nous-mêmes le niveau la transparence le niveau accountability ban changement majeur et si vous regardez beaucoup les autres constitutions ban les autres partis c'est celle ou même beaucoup à l'étranger ou risquez pas voir même provision qui amène sa nouveau mindset fait si qui ont un strong accountability system dans le parti justement pour assurer qui dans les fichiers au parti fonctionne à un niveau très transparent, à un niveau ouvert, et que son membre senti les confidents qui sont partis pour répondre à l'aspiration qu'il y en a. Combien de temps pour gagner une nouvelle constitution parti Le Peuple? Là, nous dans le processus de consultation. Là, ce processus de consultation est complété. Là, nous pourrons tourner vers le Congrès. Et là, le Congrès va approuver sa nouvelle constitution et il forme pas nouveau sur les nouveaux documents qui guident le travail parti de la Lefiti. Qui m'a dit parti y adresse sa question candidat élection présidentielle? Et ça y est un bon élément qui peut discuter dans sa processus de consultation. Souguete, les partis politiques ou laissent sa bonne question entrer ou gagnent une discussion vraiment riche. Et comme un parti politique aujourd'hui, nous pouvons avoir une discussion assez intéressante, nous s'assiser. Et il y a une discussion qui est, nous finis avec nos constitutions, là nous sommes capables de dire justement qui bonne décision, qui nous base, le comité exécutif ne prend. Nous ne sommes pas capables de dire là aujourd'hui que c'est le premier groupe qui fait consultation. So, nous besoin respecter les faits qu'il y a dans les autres groupes qui besoin d'un sens, interacter avec sa constitution et aussi avec d'autres contributions. Et là, après, nous avons un consensus sur le quoi que nous proposons avec devant.
6 nouveaux bis et gagné ajouté dans service bis public l'eau pralin. C'est gouvernement l'en qui nous donne sa bande bis. C'est au commissaire l'en ici Cécile qui t'y remet la clé sa bande transport avec ministre responsable pour transport dans une cérémonie au dépôt SPTC Amitié. Actuellement, le pralin, bis est resté moyen de transport principal pour déplacer qui soit touriste ou soit bons habitants eux même. Et bien si, demande pour sa service est continuellement augmenté. En tout, SPTC, il y en a 22 bis de sa asile. Parmi, il y en a certains bis qui ont une capacité pour prendre 30 passagers et aussi bons bis qui sont grandés et considérés comme un moyen avec une capacité pour prendre 40 passagers. Côté sa cérémonie, le ministre pour l'habitat, la terre, l'infrastructure, le transport de la terre, Pamela Charlette, ministre pour les affaires de la famille, Mitsi Larue, secrétaire principal pour le gouvernement local, Marie-Céline Vidot, chef exécutif SPTC, Patrick Ville, représentant Tata Motos parmi les autres hauts officiers. L'État qui prend la parole au commissaire Hélène pour Cécile, Dr. Oussaf Saïd, qui dit qu'ils sont fiers qu'il pendant sa dernière 30 ans, le gouvernement Hélène est continuellement supporté SPTC pour augmenter son la flotte bis et donne bagage pour travailler à la compagnie. Il a ajouté que sa donation bis, le pralin, il dit ses commencements et ça a ouvert la porte pour le gouvernement Hélène entrer et aider dans les autres secteurs. As you would see the buses, these are specially designed. Friendly, very friendly for elderly people, friendly for the disabled, ergonomically designed. So a lot of new features have been added, and all the features are added as per the demands and as per the observations made by the commuters and the SPTCs. Lula parle à l'administration Zilpros, administrateur district Grand-Anse, Moses Babé, qui demande bonne pralinois pour servir bien sa bonne bis. A special appeal for all pralinois, general public, commuters and drivers alike, please take good care of the buses, because it is the mode of public transport on this island that we all rely on. C'est ministre Charlette qui tire ses bras à la clé sa bonne bis avec au commissaire Hélène pour Cécile, Dr. Saïd, qui aussi en a l'essence de cadeau entre les deux côtés. Avant qu'il invite, tu visites un sa bonne bis, Père Moïse et Father Simon, tu bénis sa bonne transport. Député cet exécutif SPTC, Maxwell Gilly, il dit qu'actuellement, c'est dans la première phase que vous pouvez remplacer sa bonne bis qui plivier à travers sa donation que vous avez gagné. Il dit qu'il s'applique un twin cab qu'il fabrique aussi par Tata Motors pour être servi par l'administration SPTC Pralin. Nous deuxième phase posée présent, bon transport qui nous tire, qui nous sentit encore dans bon état, il est capable de réparer, faire une réparation générale là, et qu'il servi utilisé. Présent dans les fichiers aussi, bon biscavini, ça y a besoin additionnel, qui va aider pour backup système l'opération, l'eau pralin aussi bien qu'il m'aille. Précisément, qui la route pour faire Habanbis? Bon, parce qu'on est pralin, pas natif son terrain, nous avons besoin d'avoir une bonne medium avec une small capacity buses. Avec juste pour à peu près 30 à 40 passagers. Et nous sommes capables partout. Hein? Mais c'est un bon terrain, un petit peu par Zimbabwe, nous pouvons plus ou moins servir une small. À cause de ça, un petit peu plus bon pour sa qualité terrain. M. Gilin confirme que SPTC Pralin passe à travers plusieurs défis, pareil le baie et plus gros défis pour maintenir bonne bis. Il y en a beaucoup de dommages qui ont occasionné l'OCM à travers bonne branche de bois, soit sur la terre privée, soit la terre gouvernement. Il cause pas mal de dommages et ça parlait, il même affecté nous l'opération. Nous aussi gagné un peu de problèmes staffing. Nous constatons un besoin pour plus divers. Nous aussi tout le temps sollicitons sa coopération entre public et divers travailleurs SPTC. Respecter avec sa donation qui pendant un meilleur service bis le pralin. Demain, il y a la journée internationale créole et la journée proclamée par l'Agence Nations Unies pour l'éducation, la science et culture, UNESCO. Ministre désigné Maxouzi Mondon il dit qu'il s'agit de la journée célébration, mais aussi en étant réflexion, le développement, promotion et préservation la langue et culture créole. Il y a aussi l'occasion pour réaffirmer l'engagement gouvernement Cécile envers la langue créole.
Madame Mondon y a ajouté qui c'est ses lois, il devrait être fier qui nous pays une vine un leader dans promotion et préservation la langue créole, même si nous petits et indie souhaitaient qui sa 33e édition festival créole y a permis tout peuple créole partout dans le monde célébrer avec la fierté et aussi son souhait c'est qui nous inculqué sa la fierté créole c'est ses lois dans nos générations. Toujours dans le cadre festival créole, il y a la sérénade en ville après-midi pendant un reportage de la sérénade après nouvelle internationale. Docteur Cécile peut averti qui bonne la crème qui servit pour aider monde faire son la peau vin plus clair peut gagne mal servi et ça est capable dans l'effet très dangereux. Un spécialiste la peau il dit qu'il y a à peu près 30% di moun pe se fè zout la peau vin pli clair en servant saban la crème mais saban la crème in gay ban dans les autres pays comme là in vin sa ki beaucoup y kwa y en nécessité si tout ban zen fi pou fè si ki zout la peau y propre beaucoup zout y servi la crème ki aide pou clair si la peau et chimag mais beaucoup pa konnen ki le fè saban la crème ki an hydroquinone lader y capable an nan zout la peau. Un docteur la peau, Pungarelli Pile, côte clinique Euromedical, il dit qu'il y a environ 30% du monde qui peut servir sa bonne la crème, qui normalement sont assez de bonne pharmacie, peut mal servir. They actually destroy the melanocytes in the skin, which is responsible for the production of melanin, the pigment, which gives the tone, the skin tone. So what happens is it makes the skin dry. It can cause irritation to the skin. And when it is used in high concentration, it can cause irreversible permanent depigmentation, that is white patches. Normally what we advise in tropical countries, we advise them to only use it at night, not during the day, because of the sun exposure, but maybe they are not aware of that and they use it during the day as well without any sunscreen or any other sun protection. So it can make it worse sometimes. Docteur Pile il aussi dit qu'il est temps saben la crème qui en a hydroquinone ladder, il gai servi en excès, ça y augmente risque développe cancer la peau. Beaucoup pays étrangers in ban saben la crème. Mais ici c'est celle, la majorité pharmacie peut vendre saben produit. Mais tout de même, di moun peut gai conseiller pour consulter docteur avant qu'ils ont testé saben la crème. Mon advice peut-être qui mon compte donne, il meilleur parfois regarde avec docteur, rule out exactement qui issue en coup la peau avant l'air ou décider vous servir ben skin bleaching. Quand vous continuez à servir, la peau est en train la peau devient trouble, qui n'est pas pour bon pour la santé. Il faut la peau trop mince, après vous venez une complication. Once que la peau est trop mince, après ça, il est facile pour que tu exposes, like soleil, taper, poquer, vous connaissez? Bulletin terminé. Merci pour l'attention et bonsoir.